Alors les amis, il y a toujours Dalga Touré depuis le Sénégal qui nous a demandé de savoir sur la DS 260. Voilà, il a fait par écrit, après il a fait par audio. Mais bon, écoute, je vais quand même expliquer, puis c'est bon. Voilà, il a dit comment remplir la DS 260 et il demande si c'est sur la plateforme du gouvernement américain, c'est-à-dire là où on joue le jeu, ou bien si c'est un PDF, on t'envoie, tu remplis et tu renvoies. En réalité, c'est sur le site qu'on remplit la DS 260. Ça s'est rempli en ligne, sur le même site. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment remplir. Salut, je vais vous montrer mon ordinateur et ensemble, je vais vous montrer comment remplir. Ok? C'est parce que je ne sais pas où j'ai mis mes fiches qui contiennent mon case number, tout ça, pour pouvoir rentrer. Ils ont besoin de ça. Sinon, j'allais prendre ça pour rentrer et vous allez voir. Ok? Mais de peu en peu, on va y arriver. Donc, on remplit ça directement sur le site. OK? Et je vais vous donner quelques informations. Vous devez connaître, bon, d'abord, nom, prénom, date de naissance, ça, c'est les choses que vous connaissez. Voilà, c'est les choses que vous connaissez. Voilà. Ils vont vous demander, c'est là maintenant que tu joins l'adresse, c'est dans le dossier 260. Le dossier 260, c'est lorsque tu es sélectionné. Lorsque tu es sélectionné et que ça a marché, l'étape qui suit, c'est ce qu'on appelle le dossier 260, le DS 260. Est-ce que vous comprenez? C'est l'étape après la réussite. Vous comprenez? Ça a marché. Ils t'ont dit que tu es sélectionné. L'étape qui suit là, c'est le dossier là que tu vas remplir. Et ce dossier, avant de le remplir, il faut avoir le passeport. Parce qu'ils ont besoin du. Tu auras besoin du numéro du passeport pour remplir le dossier DS 260. Ça, c'est les béaba sur ce dossier-là que vous devez connaître. Donc, vous devez savoir que c'est la prochaine étape. OK? Et donc, quand tu vas mettre tes informations, que tu vas rentrer sur le site et que tu vas rentrer dans ce dossier 260, il y a déjà les anciennes informations. Lorsque tu t'inscrivais, les anciennes informations que tu avais mises là, elles sont là. Et c'est là maintenant que tu peux modifier. Par exemple, moi, mon prénom, on avait fait erreur. J'avais oublié le deuxième N. Puisque mon Herman, si vous voyez bien, le Herman, c'est deux N. Mais il y avait mis un N. Lorsqu'on faisait l'inscription avec mon ami. Donc, là, on était obligé d'attendre après le résultat. Lorsque ça a marché, on était obligé d'aller maintenant dans la DS 260. C'est là-bas que tu peux modifier. Donc, tu peux tout modifier là-bas. Le nom, l'âge, tout, tu peux remodifier les choses. OK? Dans le dossier DS 260. Tu peux même modifier le lieu d'interview. C'est-à-dire que tu avais mis. C'est-à-dire que comment dire, tu as joué au Sénégal. Et tu te retrouves en France. OK? Tu peux modifier le rendez-vous d'après les gens. Moi, en ce qui me concerne, je ne souhaite même pas que tu te compliques. Mais les gens me disent, non, on peut modifier, on peut modifier. Donc, je vous donne l'information que c'est possible. C'est dans le dossier 2S, DS260 que tu peux tout modifier. En tout cas, moi, j'ai modifié mon prénom. OK? Voilà. Et donc, après prénom, si tu as des enfants, c'est là-bas que tu vas signaler si tu as des enfants. OK? Et le site est en anglais. Donc, très souvent, il faut le traduire en français. Pour traduire un site internet en français, c'est facile. On va le voir dans les prochaines vidéos. J'attends que les résultats sortent. Pour que vous qui êtes abonnés là, ceux qui seront les heureux gagnants, on va courir. Il y a maintenant fait des vidéos qui vont dans le sens. Ok, pour l'instant, je vous prépare. Mais quand vous serez gagnants, je vais vous suivre, vous tous, gratuitement. Donnez-moi mes 1000 abonnés rapidement. Ok, voilà. Donc, après ça, après nom, prénom, âge, tout, si tout est clair. Il y a une deuxième partie où c'est écrit Work, Education, Training, Information. Donc, c'est Present Work, c'est-à-dire le travail présent que tu fais. L'éducation, c'est là maintenant tu vas marquer ton poste, les diplômes. Et puis, Training, Information, c'est ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Okay? C'est là que tu vas marquer ça. Donc, si il y a d'autres, là je vois quelqu'un a mis business. Tu peux mettre business, étudiant, ça dépend de ce que tu vas mettre. Et après ça, tu vas maintenant mettre l'adresse. Là où tu t'en vas vivre là. Non, non. L'employé, si tu vas mettre son adresse. C'est un peu long, hein. Mais si tu n'as pas, tu mets N. Je pense que c'est NPNP, un truc comme ça. Après, je vais bien vous en parler. Après ça, le travail, l'éducation, tout et tout. Il y a un endroit où vous allez remplir. Je suis en train de regarder. Je sais pas. Je ne peux pas rentrer dans le site, c'est pourquoi. Et c'est en anglais. Donc, additional work. Education training. Donc, s'il y a des choses additionnelles, vous allez les remplir. En tout cas, c'est un dossier qui est long. Non, le dossier DS 260, il est long à remplir.
Il est long à remplir. Il y a beaucoup de questions qu'on pose. OK? Voilà. Donc, après ça, maintenant, la troisième étape, c'est Security and Background, Medical and Health Information. The Health Information, c'est là maintenant, tu vas mettre maintenant les informations maladie. OK? Voilà. Il va te demander si tu es handicapé. On pose tout ça là. Hein? On demande si tu es handicapé, si tu fumes, si tu es comme ça. Voilà. Donc, il faut mettre non, 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 non. Voilà ça même. Tu mets non, non, non. Have you ever violated? Si tu as été violé, tu mets non. Ok? Oh, mon truc est déchargé aussi. Hein, voici toutes les questions. Voilà, c'est beaucoup cette partie-là. Tu mets, faut cocher non, non seulement. Et puis tu avances. Après ça, on te parle de sécurité. Hein, la sécurité, le, il y a plein, plein. Voilà, vous voyez que depuis que je suis en train de défiler, je suis sur une page là. Il y a plein de choses qu'on demande. Vous voyez? Voilà. Donc après ça, il y a quoi encore? Attendez, je vais voir. Ça, c'est lorsque tu es marié, tu dois mettre tout, 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 tout. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant que tu dois mettre le numéro de sécurité sociale. Voilà, de la personne qui va te faire truc. Si tu n'as pas ça pour l'instant, tu peux laisser. Voilà. Donc, Luc, quand vous finissez votre dossier, quand vous envoyez, c'est KCC. C'est KQCC, KCC. OK? C'est eux qui s'occupent de ça. OK? Donc, je voulais tout simplement répondre. C'est simplement que je voulais répondre pour dire, c'est sur le site on remplit en même temps. Quand tu as eu, tu vas prendre ton case number, le case number, hein, le confirmation number, tu vas faire entrer et de là-bas, tu vas commencer à mettre, on demande ton nom de famille, confirmation number, et puis, je sais pas si c'était ton date de naissance pour rentrer dans le DS260. Ce que c'est après, pour l'instant, je viens du travail, je suis fatigué, je dois me laver pour aller à l'école encore. Mais je voulais quand même répondre à cette question. Je veux tout faire pour que par jour, il y ait au moins une vidéo sur la développerie. Donc ici, vous serez très à l'aise. OK? Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Et puis, je vais vous rappeler, j'ai mis une vidéo, une prédication en ligne. Juste en bas de cette vidéo, j'ai mis une prédication. Une magnifique prédication où j'ai parlé de l'amour de Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, sache que Dieu t'aime. Et son amour est infini. Tu peux dire Amen. Maintenant, tu peux t'abonner. Tu peux toujours voir les vidéos de proposition et continuer de nous suivre sur cette page. Que Dieu vous bénisse. On est presque à 900. On est presque à 900 abonnés. Abonnez-vous. Mettez le pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons et encouragez-nous. Merci. J'attends toujours vos questions. J'en ai plein. Et au fur et à mesure, je vais faire des vidéos. Que Dieu bénisse tous les Sénégalais.